Bien, j'avais mis quelques articles en vente il y a déjà quelque temps. Il me reste beaucoup de matériel, des choses qu'on m'a fait réserver et puis qui ne sont pas parties, en définitive, qui n'ont jamais été payées. Donc, ces articles, je remets tout en vente et je vous redonne la liste. Je garde les numéros qu'il y avait avant. Parce qu'il y en a qui sont partis, mais pas tout. Mais ils ne se suivent pas. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas des numéros à la suite. Voilà. Je vous les donne dans l'ordre, dans les numéros qu'ils avaient au départ. Et j'en ai rajouté deux ou trois parce que j'ai deux ou trois articles que j'ai retrouvés après. Voilà. Alors je commence. Voilà, je reprends. C'est pour les enfants, c'est 20 centimes. Hein. Ce sont des fils de couleur bleu, blanc, rouge d'ailleurs. Ils font combien de mètres il y a là-dessus? Il y a 2 mètres pour enfiler des perles pour les gamins. Voilà. C'est le numéro 3. Ensuite, le numéro 4, c'est un livre de modèles de cartes de je sais plus qui, Cantecler ou Bistopper. C'est des cartes de Monsieur Marianne qui fait ça, Marianne Design. Vous avez les cartes et vous avez les modèles avec les dimensions. Voilà, vous avez les explications, vous avez tout. Il y a plein de modèles. Il y a des boîtes aussi. Il y a des boîtes, il y a des cartes dépliantes. Ça, c'est une boîte. Ça, c'est des cartes. Le pliage des cartes. Vous avez des jolies cartes cadeaux en relief. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est vrai qu'elles sont vraiment, vous voyez? Voilà. Ce livre, je le laisse à 5 euros. C'est le numéro 4. Non, je ne peux pas les remettre dans les boîtes. Après, je fais tout tomber. Le numéro 5. C'est un tampon Plumpty. Un tampon Plumpty, numéro 5 à 5 euros. Après, alors comme je les ai fait tomber, je ne les ai plus dans l'ordre. Voilà. Le numéro 8, j'en ai 3. 8, 9 et 10. C'est un gabarit pour un van. Voilà, suivant les motifs que vous voulez faire. C'est un van. Alors j'en ai 3, 8, 9 et 10. À 4 euros chacun. Un autre gabarit. Safari un peu. C'est une Jeep avec un appareil photo. C'est le numéro 11 à 5 euros. Là, il y en a 2. Ici, c'est le numéro 13. C'est un cadre où il y a des trous pour faire. C'est un passe-ruban. Voilà, vous avez deux étiquettes. Il y a quatre gabarits. Vous avez les deux étiquettes ici, un cadre carré et celui-là qui fait une bordure. Voilà, le numéro 13, 7 euros. Ensuite, j'en ai un qui est resté là. Le numéro 16, c'est deux petits oiseaux qui se font des bisous. C'est une découpe aussi, c'est un die. Numéro 16, 5 euros. C'est des die qui valent dans les 10 euros, 10, 15 euros, hein, ça dépend les grosseurs. Hein. Ensuite, là, ce sont des mandalas. Alors, vous avez un mandala noir, un mandala or, et celui-là,
J'ai fait un modèle. Si je le retrouve, si je peux l'attraper. Non, je sais. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà comment ça se présente. Et puis c'est à colorier. Voilà. Mais j'en ai fait un et je sais pas où il est. Alors, c'est le numéro. Il y en a trois. Il y a le numéro 18 à 50 centimes, 19 à 1 euro et 20 à 1 euro. Voilà. Ensuite, ça c'est des Dutch Doobadoo. Doobadoo. Pour faire, ça aurait été bien pour Halloween. Alors, ça c'est le numéro 21. C'est des trucs à découper, hein, là où il y a les petits traits, on découpe avec le ciseau. Après, on les colorie comme on veut, là. 21, 2 euros. 22, ça c'est sur Noël, avec les serres, les sapins, Happy Holiday, Noël, voilà. Vous faites comme vous voulez. 22, 2 euros. 23, ça c'est les deux mêmes. C'est un pochoir pour faire des fonds de cartes avec des lunettes et des moustaches et des chapeaux haut de forme. Il y a le 23, 24 à 2 euros chacun. Là, c'est sur le thème de l'été, numéro 25 à 2 euros aussi. C'est aussi des découpes à colorier ou s'en servir comme pochoir aussi. Il m'est resté aussi ces deux choses-là. Le numéro 27, c'est un cutter compas qui tourne, qui va jusqu'à 30 cm donc, de diamètre. Hein. Ça fait, voilà. Donc, il est bien pratique celui-ci. Je préfère celui-ci aux autres qui sont sortis maintenant, qui a juste une barre en plastique et qui ne tiennent pas en place. Celui-là, il est très bien. Alors, c'est le numéro 27, 5 euros. Ça, c'est pour celles qui font du pergamano. C'est un outil de piquage en rond, en demi-cercle. Je ne sais pas si vous voyez bien. En demi-cercle, vous voyez, c'est un outil de piquage. Il peut se servir avec les plaques de piquage. Je vous remontrerai après. C'est le numéro 28 à 8 euros. Je le laisse là parce qu'on regardera après. Ça, c'est des MDF. C'est des petites pochettes. Il y en a deux. C'est un lot de deux. On peut en faire un petit sac à main qui s'ouvre en éventail. Pour faire du scrap, c'est très bien. Pour faire des petits albums scrap, c'est formidable. Vous pouvez aussi le faire en album qui s'ouvre comme ça ou qui s'ouvre comme ça. Voilà. Alors ça c'est le numéro 36, j'en ai deux. Et c'est un lot de deux. Il y a deux plaques hein, dedans. C'est le numéro 36 et 37 à 1,50€. Alors, ça, c'est des plaques d'embossage. Quand vous faites Je vais vous montrer. Je vais donner un exemple. Là, je vais sortir les ballons. C'est du prédécoupé. Mais dans ces livres, ils sont très épais. Ils se découpent très très mal. Le tapis sert. On le pose dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre comme ça. Voilà. On le pose à l'envers et avec un tôle, un petit ou un gros, on le frotte dessous, au dos, pour le faire gonfler, pour le mettre en forme. Je peux le faire sur ça parce que ça ne l'abîme pas du tout.
Voilà. Et après, vous pouvez y mettre votre colle dessous, la colle que vous voulez, les petits carrés de mousse, comme vous voulez, mais ça les fait un peu gonfler, ça les met en relief. Voilà. À quoi ça sert ce tapis? Ça sert aussi, pas qu'à ça, mais ça sert aussi pour faire le piquage avec cet outil pour piquer dedans. Voilà. Alors moi j'en ai deux, un pour le piquage, un pour l'embossage, parce qu'ils sont pas chers et que c'est quand même bien pratique. Voilà. Bon, ça et ça, ce n'est pas à vendre. Alors là, j'en ai plusieurs. J'en avais plus que ça, mais j'en ai vendu quelques-uns. Ils sont à 1 euro. C'est des petits qui font. La dimension n'est pas marquée là-dessus. 15 cm sur 20 cm et 8 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, c'est le numéro 42. 1 euro. 42, 43, 44, 45, 46 et 47. À 1 euro chacun. Alors, pour le piquage et l'embossage, c'est très pratique. Moi, je m'en sers beaucoup. Pardon. Ensuite, il reste les chipboards. Là, j'en ai 5 paquets. C'est tout ça. C'est des découpes de tout ça. À colorier, à habiller, à, voilà, à faire ce que vous voulez. C'est du carton épais. Là, c'est un cadre. À l'intérieur, vous pouvez récupérer le petit carré. Non, mais ils sont très, très, très intéressants. Vous voyez, c'est celui-là. Voilà. Donc, là-dedans, vous avez 19 pièces. C'est le numéro 49. Ils sont tous à 3 euros. 50. 51, 52, 53. C'est tous les mêmes. Hein. Après, là j'ai un triptyque. Alors c'est bien l'époque du triptyque pour Noël. Vous avez dedans des papiers de décoration. Maintenant, vous pouvez vous en servir pour Noël. Ça, c'est plus sur l'été, mais c'est pour vous. Vous pouvez vous en servir pour Noël. Vous avez trois cadres dedans. Il y en a trois. Voilà. Voilà, c'est pour faire vos décorations. Alors, pour faire une petite crèche, c'est sympa. Voilà, pour Noël, c'est sympa. Je vais vous en servir pour Noël. Vous avez les papiers, vous avez les bois, et vous les reliez comme vous voulez, avec des anneaux ou avec des petits rubans, comme c'est suggéré ici, sur le papier. Le lot, je le fais à 4 euros. Vous avez quand même 3 feuilles de papier avec. C'est le numéro 56. Dans le même style, avec plusieurs accessoires. Alors ça, c'est plus pour l'été, pour la mer. Vous avez un phare, une petite maison, une petite barrière, une haie, une petite, voilà, un petit truc comme ça. Et le socle, avec 1, 2, 3, 4, 5 feuilles de papier recto verso, toujours. C'est le numéro 60 à 4 euros. Et ça, j'en ai deux. Alors, c'est 60 et 61. Voilà. Pour vos décorations d'été. Je vais les débarrasser. Hein. Après, ah, j'ai oublié celle-là. J'ai oublié la 54. Alors, ça, c'est la maison d'Halloween. Ça, c'est des petites maisons, c'est comme un album. Je dis Halloween, pourquoi Halloween? Parce que je m'en étais servi pour Halloween, moi.
C'est comme un album. Vous avez une page par maison. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq plaques de MDF. Le MDF, c'est comme du médium, hein. C'est pas du carton, hein. C'est comme du médium. C'est du bois compressé. C'est le numéro 54. Il est à 3 euros. Ensuite, ici, vous avez un vide-poche de deux compartiments en forme. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le dessous. Et le devant, il est pareil. Le devant est pareil, mais plus petit. Voilà. C'est le numéro 62. Il est à 4 euros. Je vais vous donner les dimensions quand même. Parce que peut-être que vous les voulez et qu'elles sont marquées nulle part. Donc, je vais chercher une règle. Ça fait deux fois que j'ai envie de prendre une règle. Je vais la chercher. Heureusement, elle n'est pas loin. Alors, il fait en dimension 25 et demi sur la partie la plus large, hein, sur 16 cm. Alors, si vous entendez du bruit, vous affolez pas, c'est mon lave-vaisselle. Il est en nettoyage parce que j'ai des petits soucis en ce moment avec ma vaisselle. Donc, je l'ai mis en nettoyage forcé. Alors, de temps en temps, il fait du bruit. Voilà. Ensuite, là, j'ai deux albums identiques sur le thème de la mer aussi. Ils font 30 sur 15. Voilà, c'est sur le thème de la. Vous avez des planches, hein, il y a beaucoup de bateaux, d'encre, de tout ça. C'est le numéro 67 et 68, ils sont à 4 euros chacun. Et là, c'est du papier craft. Celui-là, il fait 200 grammes. J'en ai de 300, mais celui-là, c'est du 200. 200 grammes, c'est du 15 sur 30 aussi. Il y a, ah oui, combien de pages là? 24 pages et là, 16 pages. 16 pages, c'est le numéro 70 et 71 à 4 euros chacun. Voilà. Bon, je vais faire du rangement là sur ma table et je reviens. On continue. Alors, il me reste un seul bloc papier de 48 pages. 30-30, j'en ai qu'un seul. Voilà les modèles. Alors il y a quatre pages de chaque. Là, c'est sur Noël, oui, bien sûr. La neige, les moufles. Voilà la galaxie. C'est joli ça avec toutes ces étoiles. Moi je le vois comme ça. Hein. Des rayures. Des bonhommes de neige. Un fond vert pâle. Il y a des, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des petits flocons. On les distingue à peine. Hein. Sur un ton vert bouteille un peu. Et là, c'est plus un vert prairie, mais c'est la même chose. Là, c'est des flocons, des cristaux de neige. Encore des cristaux de neige avec en rayures. Là aussi, sur un fond vert. Un fond comme ça et encore un peu comme la première page qui était rose, là elle est plutôt couleur ciel. Voilà, donc alors celui-là c'est le numéro 64, il est à 10 euros, c'est un gros bloc.
Il y a 48 pages. On continue. Alors ça, c'est du... On va passer dans des blocs de... Je sais plus les dimensions. 200 grammes. C'est du 15 sur 20, je crois. 21. 15 sur 21. Ah, c'est du 21. Eh oui, 21, je ne me trompe pas. Alors. Là, c'est un bloc africain. Et là, vous avez aussi 4 pages identiques sur un fond bleu. Zébré, léopard, un peu, non, c'est tigre, on dirait du léopard. Voilà le tigre. C'est vraiment savane. Hein? Voilà, ça c'est joli hein? Pour ceux qui vont faire des safaris. Voilà, sur un fond gris, gris bleuté un peu. Encore une. Voilà, avec des timbres. Africa, une girafe. Et voilà. Celui-là, c'est le numéro 73. Il est à 4 euros. Là, je ne peux pas vous l'ouvrir, il est sous blister. C'est le numéro 74 à 4 euros aussi. Vous avez des papiers fleuris, des fonds verts, un fond comme ça, un fond avec des fleurs. Celui-ci, là, avec un petit oiseau. Je ne sais pas si je ne vais pas les enlever parce que c'est agaçant d'avoir des trucs sous blister, on ne voit pas ce que c'est. De toute façon, tout est neuf, alors. J'aime bien qu'on voit ce que c'est. Ah, c'est parce que les pages sont. J'en mettrai un sachet. Les pages ne sont pas collées. Alors, je vais les prendre comme ça. Voilà. Une comme ça. Avec des petites, c'est des petits papillons. Voilà. Celle-là avec les oiseaux, elle est magnifique. Le petit oiseau dans le nid et l'autre là en haut. Celle-là qu'on peut récupérer pour faire des petits tags. Et on recommence du début, non? Voilà. C'est les mêmes après. Voilà. Vous avez 4 fois le même modèle. Alors, ça, c'est le numéro. 74 à 4 euros. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Je vais aller chercher des sachets pour les mettre dedans. Trouver des sachets qui s'adaptent, que je peux recoller. Bon, je ne vous dis pas la manipulation là. Hein. Alors, c'est le numéro 74 à 4 euros, celui que vous venez de voir. Hop, ça, poubelle. Ça, je vais les garder à côté de moi parce qu'il y en aura d'autres. Bah, tiens, justement, en voilà un. Allez. J'avais une paire de ciseaux tout à l'heure. Je ne sais pas où je l'ai posé. Alors, ça, c'est Rose Garden. Alors, voilà les roses. Les petits oiseaux avec des rayures, des petits papillons, des médaillons de fleurs, des petites roses,
des bordures comme ça, rayures, pas bordure. Celui-là, qui est magnifique, avec son dégradé. Voilà, et après ça recommence, c'est les mêmes. Et vous avez quatre fois le même modèle. Voilà. Alors, c'est des blocs qui font 32 pages. Et qui font 15 sur 21, je crois. On avait mesuré tout à l'heure. 15 sur 21. Hop, je remets ça avec. Et dans une pochette. Alors, 75 à 4 euros. $78 à 4 euros aussi. Ah, celui-là, il est collé sur le bord. Donc, on va le regarder comme ça. $15,21 aussi. Voilà les modèles. 4 pages toujours. En violet, c'est joli ça. Les petits plus petits, Liberty en bleu. Ça fait comme un quadrillage, un nid d'abeille un peu. Rose. Et puis c'est tout. Voilà. 78, 4 euros. Celui-là, c'est le numéro 80. À 4 euros toujours, en 15 sur 21. Avec des petits lapins, des rayures avec des petits poussins et des petits moutons. Ici, des petits moutons. Si vous avez regardé mes vidéos, j'ai fait des plaques de porte avec ce papier. Ça, celui-là avec des petites fleurs et puis des petites maisons. J'ai les petites maisons qui vont avec, tiens. Elles sont là. Les petites maisons. Mais je vous les en parlerai tout à l'heure. Celui-là. Les petits lapins. Ils sont rigolos. Encore des petits lapins. Ça fait aussi bien pour filles que pour garçons. Hein. Et puis voilà. Voilà. Alors celui-là, c'est le numéro 80, 4 euros. J'ai deux blocs, donc 80 et 81. Le 82. C'est pareil, celui-là, il est attaché sur les côtés. Je peux pas vous le montrer en entier. Si je peux le décoller et puis le recoller après. On va faire comme ça. Alors, c'est toujours la même dimension. Les roses sont belles, ces roses. Sur un fond comme ça, ça fait très chabi. Ah oui, une petite chaise. Alors,
sais pas, j'en ai pris qu'une. Voilà. C'est des cerisiers en fleurs, sûrement. Vert. Oh, celui-là, il est joli. Ça fait un cadre. Il est joli, celui-là. Et voilà. C'est le numéro 82 à 4 euros. Celui-ci aussi pour les babinous. Voilà. En bleu. Toujours avec des petites maisons. C'est vrai que celui-là aussi pourrait aller avec mes petites maisons. Le rose. Encore un bleu. Encore un bleu. Et un rose. Voilà. Donc, celui-là, c'est le numéro 84 à 4 euros. Celui-là, c'est le 85 à 4 euros. Blue Block. Ah, ça, c'est joli, ces fleurs. C'est des coquelicots bleus. Je ne sais pas si c'est des coquelicots. Bon, bon, c'est des fleurs bleues. Il y a beaucoup de bleu. Il faut aimer le bleu. Avec des rayures. Ah, oh, ça c'est joli. Et voilà. Blue Block. Numéro 85 à 4 euros. Toujours dans les mêmes dimensions. Celui-ci qui est plus masculin, c'est le numéro 86. Alors là, vous avez un petit train. Enfin, les anciennes locomotives. Très rétro, hein. Le Titanic. Une vieille bagnole. Une montgolfière avec une moto. Un appareil photo avec un fond bois. Des pellicules. Là, on devine. Moi, je voyais une voiture. Oui, c'est une voiture. Ah oui, c'est des poteaux électriques. Je croyais que c'était un bateau. Une voiture avec des poteaux. Bientôt, les poteaux, il n'y en aura plus. Encore des vieilles voitures. Et celui-là encore. Voilà. Vintage Men. C'est vrai que c'est... Alors, c'est le numéro 86 à 4 euros. Alors, ça, c'est des photos. Ça peut être intéressant aussi, hein. Des photos de paysages. Alors, il y en a 4 aussi, chaque fois. En sépia. L'automne. Bord du lac. Ils sont jolies ces photos. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Mais quand on fait des albums pour mettre des photos, à la place des photos de ce que les gens vont mettre, on peut mettre ça. Ça peut donner des idées. En sépia, encore. Et celle-là.
Voilà. Celui-là, c'est Fishing Fun Block. Numéro 87, 4 euros. Celui-ci, je l'ai deux fois. C'est sur le thème de Noël. Avec des étoiles. Des boules. Juste un fond marbré. Du hou. Des étoiles vertes. On a les mêmes dessins. Un fond marbré. Les boules. Sur fond vert. Le hou. €89, 4 euros. Ensuite, 91, c'est sur l'automne, c'est l'époque. Magnifique, magnifique. Oh, il est beau ce papier. Là, on voit une feuille, je sais pas, vous la voyez peut-être pas, mais on distingue une feuille là. Comme si c'était dans l'eau. Là aussi, pareil. Sur un fond vert. Et ça, c'est pas beau, ça. Ces écorces craquelées, là. Celui-là, c'est joli, ça aussi. Ça fait un joli fond. Voilà. Il y a des feuilles, il y a du fil, on dirait de la gaze, une ficelle. Sur un fond violet. Attends, je vais pousser ça parce que ça vous fait de l'ombre. Et voilà la dernière page. Ah, il est magnifique celui-là sur l'automne. C'est le numéro 91. 4 euros. Alors, je vais pousser ça. Ensuite, celui-ci. Alors, c'est deux pages, deux motifs sur une page. Vous avez du tressage comme du panier et un fond bois. Et toutes les pages sont comme ça, suivant les couleurs. En vert clair. En vert plus soutenu. En beige. En rose. En bleu. En mauve. Non, c'est ça. Et un bleu, en violet. Voilà, c'est le numéro 92, 4 euros. Et 93, parce que j'en ai deux. 4 euros. Celui-là aussi, j'en ai deux. 94 et 95, c'est du bois. Des petits flocons de neige. Oh, celui-là, il a des paillettes. Il brille. Je sais pas si vous le voyez, mais il brille. Là, vous avez encore des flocons. Un fond bleu pâle. Là, encore des flocons. Et du bois. Et j'en ai deux, 94 et 95, pour 4 euros chacun.
avant encore un qui est sous blister. Ah bah dis donc, il s'ouvre pas facilement celui-là, hein? Mon Dieu. Je toque là. Quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont pas reliés. Alors je garde la pochette pour la remettre après. Café de la pâtisserie. Alors. Avec des théières, des cafetières. Les tasses. Avec les sous-tasses. Là, c'est les gâteaux. Ça fait très rétro. Muffin. Les petites fleurs. Et je crois qu'on revient à la première page. Voilà, c'est la même chose. Donc, quatre fois le même modèle, comme partout. C'est le numéro 96 à 4 euros. Comme ça, moi, ceux-là, vous avez l'avantage que je les défais pour vous les montrer, parce que les autres, je ne les avais pas défaits dans la première vidéo. Voilà, alors 96, 4 euros. 97, c'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. En vintage main, qui était le numéro, voilà, 86. Et ben 97, c'est le même. Voilà. Donc ça pourrait aller à deux personnes différentes. À 4 euros. Et celui-là, c'est que des planches. 99. Il est attaché lui aussi. Hop. Alors toujours dans les mêmes dimensions. Les planches de fond. Voilà. Jolie celle-là aussi. Et voilà. Alors, c'est le numéro 99. Il est à 4 euros. Pour cela, c'est terminé. Allez, numéro 100. Blue Block, on l'a déjà vu celui-là, non? Avec les fleurs là. On l'a déjà vu, c'est le même. C'est le même que celui-là, 85. C'est le même. Alors, toujours pareil, hein? Toujours les mêmes fleurs. C'est le même que le 85. Le numéro 100. 4 euros.
Ah, c'est un petit ça. C'est un 15-15. C'est un 15-15 Baby Boy, numéro 102 à 350. Alors là aussi, vous devez avoir 4 pages de chaque. Voilà. Avec des boutons, des petits pois, des rayures, encore des petits pois, des petits pois de couleur, des rayures et un fond comme ça. Voilà. Numéro 102 à 350, c'est pas le même prix. Alors ça aussi c'est un 15-15, 103, c'est à 350. Ça peut faire des jolis fonds. Pour celles qui font des albums en 15-15. Voilà. Et voilà. 103, 350. 104. Non, il est tout nu celui-là. Il est sous blister. Voilà. Je ne vous dirai pas ce qui est écrit, je n'en sais rien. Des jolies roses. Papillon là. Ça peut faire des jolis fonds. Il y a un vent dehors encore. Et voilà. Flower Garden. 104 à 350. Oh, Victoire, je l'ai rangé. Voilà. Celui-ci, je l'ai deux fois. Il y en a un qui est sous blister. 105 et 106 à 350 aussi. Que ça avait frappé. Des petits écossais, des petits pois, des papillons. Et de rose. Voilà. Alors 104, 105 et 106 à 350, c'est du 15-15. Alors ces deux-là sont sous blister aussi. C'est les deux mêmes. Numéro 107
Je ne sais pas où est le devant, où est le derrière. On va faire comme ça. Voilà, 4 pages de chaque, hein, toujours. En rouge, en jaune. En vert. Orangé. En vert pâle. En turquoise un peu. Rose. Et jaune. Alors, c'est le numéro 107 et 108 à 3,50 en 15-15 aussi. Celui-ci, numéro 109. Il me paraît plus épais. Donc, cela, il y a 32 pages. 32 pages. Celui-là, il en a 36. Donc, il a un dessin de plus. À 4 aussi. Je me suis mise devant la fenêtre pour avoir plus de luminosité. Quoi qu'il fait soleil dehors. Cristaux, les rayures et les petits pois. Voilà. 109, 350, c'est du 15-15. À 36 pages. C'est toujours le même prix. Celui-là aussi, il a 36 pages. Vous n'avez pas déjà vu celui-là? Non. C'est le numéro 110. Jolies ces pages, ça fait des jolis fonds. Voilà, 110, 350, 15-15, 36 pages. Celui-ci, ah, ceux-là sont magnifiques. Je les aime beaucoup, ceux-là. Quatre pages toujours en 15-15 avec un fond comme ça en violine un peu lavande. Regardez-moi ça. Regardez ça si c'est beau avec celui-là, les papillons. Pour les petits albums, c'est magnifique. C'est vrai que le papier, le dessin se suffit à lui-même. Donc, après, pardon, après refaire des dessins par-dessus, c'est difficile, quoi. Avec les papillons. J'aurais dû vous mettre la caméra un petit peu plus basse pour mieux les voir. Je vais la changer de place.
c'est beau, c'est rose. C'est magnifique, hein? Magnifique. Pour faire des fonds, c'est superbe. Alors, je vais essayer de la descendre un peu. Peut-être que vous y verrez mieux comme ça, les motifs. Voilà, alors celle-là, c'est le numéro 111 à 350. Et il y a 48 pages. Mais c'est du papier plus fin. Hein. Ils ne mettent pas le grammage, mais il est plus fin. Voilà. Ensuite, celui-là aussi, il est magnifique. Le numéro 114. Comment ça s'ouvre? Comme ça. Le même en marron, en vert. Là, vous avez des chouettes, une chouette et un papillon. Là, vous en avez deux de chouettes avec des petits cœurs. Là aussi, toujours sur le thème de la chouette. Là, on les devine dans le clair de lune, à travers les arbres. Là, sur sa branche. Ici. Ça fait un peu automne. Avec un fond vert, sur fond vert, plein de petites chouettes. Et la dernière, c'est celle-là. Enfin, du moins la première. Voilà. Alors, celui-là, c'est le numéro 114 à 350. 36 pages, 48 pages, toujours, en 15 cases. Celui-là, c'est 36 pages. Hein, le papier est plus épais, là. Hein. Des ballons. Sur fond vert. J'espère que vous les voyez bien. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Le rouge. Le violet avec des rayures, ça on peut faire des combinaisons avec ça qui sont superbes. Celle-là aussi. Alors, la caméra elle est tombée en panne, donc on en était à celui-là, après celui-ci. Celui-ci et celui-là. Hop, pour celui-là, c'est terminé. C'est le numéro 115 à 350. Ensuite, le numéro 116, c'est du western. Alors, voilà. Voilà, les paysages, les bottes, du Santiago plutôt,
des revolvers, la petite famille, le drapeau et le chapeau sur du bois, une petite planche en bois. Voilà. Alors, toujours avec 36 pages, c'est du 15-15, c'est le numéro 116 à 3,50 €. Ensuite, celui-là, dans les tons de mauve. Voilà. Avec des rayures, des petites tasses de café, l'heure du thé, le théa, oui, l'heure du thé, thé parti. Encore avec des petits gâteaux, un fond rose, avec des fleurs. Du violet et du vert, j'irai lavande, pas lavande, oh je sais plus, un vert, voilà, clair, avec plein d'inscriptions sur le thé. Voilà, alors 36 pages, 15-15, 117 le numéro, à 3,50 €. Celui-là. Ah. Comme ça. Là, il les présente par deux. Alors ça. Avec ça. Alors, on va voir jusqu'où ça va, jusque-là. Après, ce motif avec ce motif. Voilà. Celui-là avec celui-là. Voilà. Il y a 4 pages de chaque. Ce vert avec celui-là. Alors, jusqu'où ça va? Voilà. Celui-ci avec celui-là. Et voilà. Le numéro 118 à 3,50 €. Pour faire des fonds, c'est pas mal. Il y a 30... Alors, combien il y a de pages? C'est du 170 grammes déjà. 36 pages. Alors là, c'est du Prima. Ça, c'est du Prima. Il y a 48 pages. C'est du 15-15 aussi. Alors, tcho-tcho-tcho. Voilà. Alors, combien il y a de pages? 1, 2, 3. Il y a 3 pages. Il y a plus de modèles, alors s'il y a 3 pages. Voilà, avec des petits pois. Pour faire du Project Lag. Des petites fleurs roses, des petits oiseaux, encore des petits pois roses, des fleurs, encore des fleurs, des étiquettes.
du journaling avec des vélos. Pareil sur ton noir. Sur ton blanc. Avec des fleurs et la musique. Il y a de la musique. Des rayures. Et voilà, avec des fleurs. Voilà. Et c'est du Prima. Il y a 48 pages. C'est, ils disent le grammage, non. Ils le disent pas. C'est le numéro 120 à 4 euros. Ah, on va prendre les petits. Alors, numéro 122, CD 10-10. Il y a 18 pages. Alors, vous les avez une fois en couleur. Et vous n'avez qu'un modèle de chaque. J'espère que je ne vais pas trop vite. Vous ayez le temps de les voir quand même. Voilà, après celle-là, il y avait celle-là. Et vous avez les mêmes qu'au début, mais en noir et blanc. Dehors. Voilà pour celui-ci qui a le numéro 122 à 2 euros. Le 124, c'est dans le même style, toujours du 10-10, il y a 18 pages en couleur au début. C'est très bien pour les enfants, ça fait des catalogues enfants, c'est superbe. Pour la fête des mères ou un anniversaire. La tête dans le tournesol. Alors on a maintenant, c'est plus en couleur, c'est en noir et blanc, mais ce sont les mêmes photos. Voilà, numéro 124, 2 euros. Un autre 10-10, c'est le numéro 126, plus sur l'heure de la pause, l'heure du thé. Il y a des tasses qui sont magnifiques. Gâteau. Et voilà, c'est le numéro 126, 2 euros, c'est de 10-10 et il y a 18 modèles. Après, on va prendre du plus petit. Alors, celui-là, c'est du... Je me souviens plus. J'ai mis l'étiquette dessus, moi. 6 sur 8,5. Pour faire les ATC, c'est superbe. Ça. Alors, c'est les deux mêmes. Hein. 127, 128, c'est les deux mêmes. Pour faire les ATC, ça, c'est bien. Alors là, vous avez trois. Combien il y a de photos? 1, 2, 3, 4 pages pareilles.
chaque fois avec des chevrons. Là, il y a marqué Buon Natale. Je prends 1, 2, 3, 4. Là, il y a des petits sapins. Il y a des, voilà, c'est pour Noël, alors. C'est des trucs de Noël, parce que je vois qu'il y a des rennes, il y a le chariot du Père Noël, de la neige, des chevrons, pas des chevrons, des losanges, des flocons, et voilà. Donc, ce sont les deux mêmes. C'est le numéro 127 et 128. Ils sont à 1 euro pièce. Voilà, ça c'est les tout petits. Là, c'est les deux mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Ça, c'est Studio Light. Alors, Studio Light, papier Noël. Pad. Papier pad. Alors, c'est du 15-15. C'est du 15-15. 170 grammes, 36 pages. Alors, il y a combien de modèles? Là, j'en ai 4. Voilà. Il doit y avoir 4 pages chaque fois. Les petits œufs dans le nid, le lapin. Ils font pas des œufs, les lapins. Les petites fleurs. Ça fait des jolis fonds. Hein. Mais ça n'empêche pas de mettre quelque chose par-dessus. Donc c'est vrai qu'ils sont jolis. Voilà, pour celui-là. C'est le numéro 129 à 4 euros. Et celui-ci qui est pareil, c'est toujours Studio Light. 170 grammes, 36 pages. Ah tiens, elle n'est pas imprimée celle-là. Il y a un défaut, il y en a peut-être une de plus. Parce que jusqu'à présent, j'avais mes 4 feuilles. Oui, oui, ils en ont mis une de plus. Les pages, les fonds sont jolis. Les fonds sont jolis. Et voilà. Voilà, alors 36 pages, 170 grammes, 15-15. Voilà, 4 euros, le numéro 130. Alors, dans les nouveautés maintenant, qui n'y étaient pas la dernière fois, je suis passée au 133. Ce sont des cadres pour mettre des photos, comme ça. Il y en a 3, ils sont reliés par une ficelle, avec une ficelle pour le suspendre. Voilà, à vous de glisser les photos dedans. Vous avez une feuille en plexiglas dessus, pour la glisser derrière la photo. Il y en a 3. Alors, celui-là, c'est le numéro 133, il est à 4 euros. Alors, le 134, c'est celui-là. Alors, ça, ce sont des pinceaux,
des feutres, même pas. C'est même pas des feutres, c'est des crayons pastels. Je vais vous montrer comment ils sont. Ils ont un embout pinceau. Voilà. C'est un embout pinceau. Dans la boîte, il y en a 6. Mais dans la seconde boîte, au lieu d'en avoir 4, il n'y en a que 2. Donc, je laisse le lot complet. Le lot, ça en fait 8 au total. Attends, donc je remets ça dedans. Hop, ça en fait 8. Voilà les couleurs qu'il y a. Là, il y a un orange et un peu plus clair. Là, c'est un rouge, jaune, gris, jaune plus soutenu, un noir et un brun. Voilà. Vous en avez 8 pastels pour 10 euros le lot. C'est des stylos, rien que les 6, ils font déjà 20 euros. Voilà. Donc, moitié prix. Ensuite, j'en étais à 134. 135, c'est ça. C'est le pistolet à colle. Voilà, avec des recharges derrière. Voilà, c'est un pistolet à colle normal. Il va très bien. Voilà. Il est à 4 euros. C'est le numéro 135. Vous avez le numéro 136. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les petits livres, les petites maisons, il y en a 4 pour 2 euros. C'est des boutons. Maintenant, si vous voulez les mettre sur une feuille, vous enlevez la croche qu'il y a derrière. Voilà. 2 euros, 136. Et une pince, un ciseau pince. Et voilà, pour découper les cartes de précision, c'est le numéro 136. Si quelque chose vous intéresse dans ce que vous venez de voir, vous mettez, vous allez trouver en dessous de cette vidéo l'adresse pour m'envoyer un mail. Vous m'envoyez votre mail en me disant les numéros que vous voulez que je vous réserve. Moi, je vous fais le calcul de combien ça vous coûte avec le port. Je vous renvoie le message. Si vous êtes d'accord sur la somme, vous me le dites, je vous enverrai le bordereau du compte où il faudra faire le virement. Voilà. Ensuite, en même temps, vous me donnez votre adresse de façon à ce que je puisse vous envoyer le colis. Parce qu'une fois que vous m'avez payé, moi, il faut que je vous l'envoie quand même. Mais je n'enverrai le colis que lorsque ce sera viré sur mon compte. Sinon, je n'envoie rien si je n'ai pas l'argent. Voilà. À force de se faire avoir, on finit par être prudent. Voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné tout ça et j'attends vos messages. Au revoir.